Avec mon calcul, on est à plus d'une minute 10 de chargement, hein, ce qui est vraiment scandaleux en soi. Et bien on se retrouve du coup pour le Grand Prix d'Allemagne sur le circuit d'Hockenheim dans sa version raccourcie depuis au moins 2002. Et on va essayer du coup de faire le meilleur état en qualification pour continuer sur notre lancée. On va essayer évidemment de marquer des points. On va garder un setup qui est moyen, puisque certes il y a une longue ligne droite. Mais il va quand même falloir avoir de l'appui dans la partie lente qui est pas la plus facile. Donc on va faire comme ça. En tout cas, il fait gris, apparemment, il pleut pas. Donc, on va voir ce que ça donne. Oh là, l'angle de vue particulier. Alors vous allez voir, j'ai plutôt du mal au premier virage. Et donc la nouvelle portion, enfin nouvelle, par rapport à la version longue du circuit évidemment. On a gagné un peu de temps au freinage, ça c'est une bonne nouvelle. Oula, le pneu gauche il prend très cher. On a fait un bon temps, on a un peu rattrapé notre retard du premier secteur dans le dernier. Et du coup, on va partir au 6ème sur la grille entre les deux Ferrari en étant pneu le plus tendre possible. Sauf que je pense pas que ce soit la bonne idée parce que, vu apparemment que les gommes ont l'air de vraiment chauffer, on va faire comme d'habitude hein, le coup de je pars avec des pneus durs au début et on finit sur un run rapide à la fin. Donc on va faire continuer. Et il a l'air de faire un peu plus beau là, déjà, pour la course. Alors du coup, ils disent qu'ils obtiennent combien les options? 10 tours, ok. Il y aura 17 tours, je pense qu'on peut prolonger de 1 tour. On va faire OK. Parce que les temps, je pense qu'ils vont vraiment avoir du mal, donc on va prolonger d'un tour. Un retour. Donc on va valider ça. C'est parti. On va donc lancer la course de ce Grand Prix d'Allemagne. Alors j'essaie de me souvenir ce qui s'est passé en 2014 sur le Grand Prix d'Allemagne. Je ne m'en souviens pas concrètement, enfin j'ai pas de souvenir de cette course. Je crois qu'Hamilton a gagné par rapport à Rosberg, c'est tout. Mais... Allez, départ moyen, après c'est logique puisqu'on n'a pas les gommes à température. Et surtout on a les gommes. Comme dur et j'ai largement raté mon départ, c'est magnifique. Allez, c'est parti, on est quatrième. Et ils tentent dès le début le dépassement à l'extérieur. En tout cas, ils seront tendres devant.
Et donc 17 tours à faire. Alors je pense qu'au niveau du son on est très bon. Enfin très bon. On s'est pété non plus, mais disons qu'on est dans les clous. Je pense que le réglage doit être pas mal depuis la dernière course. Ah, par contre, j'ai vraiment du mal. Heureusement, je freine plus tard. Bon, pour l'instant, on est extrêmement bien placé, donc on va pas se plaindre. On a Ricciardo qui un peu peut nous attaquer. Par contre, devant, ça va s'éloigner, je pense. Avec les gommes tendres, le rythme va être bien plus fort pour eux. Et on a. On a Vettel là qui met quand même. La pression sur les deux Mercedes. Même s'il est pas passé. Non, il est pas passé. Ce qui va être compliqué, c'est qu'il va avoir le DRS. Oh, c'est bizarre. Là, j'ai perdu le. C'était très sensible, vous avez peut-être pu le voir. Quand j'ai voulu tourner, ça n'a pas tourné. J'ai l'impression que l'axe, d'un seul coup, est revenu au centre. Et du coup, j'ai perdu le. Bah, en fait, elle a continué tout droit. C'est absolument pas ce que je veux faire. Accélération compliquée. Bon, on va commencer dans le dur parce qu'on n'a pas de DRS. J'essaie d'être souple dans les virages, mais c'est pas évident non plus. Allez, quatrième tour. Ah ouais, déjà! Déjà, il devrait arrêter dans deux tours. Ah ouais, effectivement, les pneus là, ils ont pas à tenir du tout. On a fait une seconde de mieux. On se retrouve au premier secteur, donc ça c'est bien. Il devrait être moins proche de moi. Oh! Et ben voilà. Je sais pas pourquoi. Et en plus, ce jeu, évidemment, me ralentit quand je suis à l'extérieur. Hein, alors, je gagne pas de temps. Bon, on va quand même prendre un terre sur la Ferrari. Ouais, c'est bon. Il n'a pas assisté. Ah bah, ben, je suis littéralement allé tout droit. Je vois plus tourner. Ferrari lui met la pression. J'ai perdu énormément de position à cause de ce virage. Il va revenir comme un bruit de canon.
J'ai perdu combien? J'ai perdu 4 places d'un coup. Je sais pas si je vais pouvoir recoller Bottas devant avec la Williams. Ah, légèrement, j'ai réussi à légèrement les recoller, mais c'est pas fou non plus. Alors peut-être qu'ils vont avoir une baisse de rythme hein. Bientôt avec les gommes usées. Ah c'est pour ça. Ils sont en train d'essayer de conserver un peu d'essence. Alors je pense qu'il serait intéressant de tenter. C'est d'enrichir le mélange. On va enrichir le mélange pendant un tour. On va voir si on peut recoller un peu. Ah, c'est Magnussen qui est 7ème maintenant. Ouais, je pense que potentiellement ils vont s'arrêter maintenant. Mais nous on va s'arrêter dans longtemps. On sait pas trop la différence quand même de changement de mélange à chaque fois. Enfin, je sais pas, j'ai pas l'impression que la voiture soit vraiment si rapide que ça. Et ouais, il m'a fait couper le. Il m'a fait couper mon régime. Alors, c'est certes mieux que de se prendre une pénalité, mais. Pas fou quand même à chaque fois de devoir automatiquement ralentir parce qu'en fait on sort de la piste, on perd déjà du temps et le temps de rejoindre on en perd encore deux fois plus. Alors ils se sont arrêtés devant, on l'a vu, puisqu'on est quatrième maintenant. On s'éloigne un peu là.
Allez, ça aurait été au stand devant encore. Du coup, on est deuxième. Je ne vois pas que ça a arrêté aussi, hein. Je pense qu'il est juste devant. Oh, derrière, ça revient tellement vite. Allez, on va essayer de, Vettel pour prendre un peu de vitesse de pointe. Alors, leur passé. Je pense avoir une bande sur le pneu. Alors, tire, on va mettre... Je sais pas, j'ai oublié. J'ai oublié, je ne sais plus quelles sont les primes et quelles sont les options. Désolé, à chaque fois j'oublie à chaque fois. Option et prime, j'oublie tout le temps. Alors... vu que j'ai oublié que je peux pas me faire avoir. Attends, je me retrouve juste après parce que j'ai oublié. Ok, donc apparemment il faut prendre les pneus prime. Qu'on prenne les pneus options, pardon. On est 11e! Ah non, ça va, bon, c'est le nombre de tours. Oh, j'ai bugué, désolé. Bon, on est en. Ok, donc on est en option, et du coup, on va pouvoir aller plus vite. 3 secondes à rattraper sur Magnussen. Pas vrai! Et voilà.
Alors, je sais pas trop ce qui s'est passé, j'ai eu moins de grippe que quand j'avais les pneus plus durs. Du coup, génial, on va perdre des points, on est 12e maintenant. Et Rosberg est englué dans le trafic, apparemment il est. Ah non, il est premier, non, c'est Massa qui est là. Ouais, bon, enfin là, je pense que c'est un peu compliqué, on a trop perdu de temps. On va quand même essayer d'aller chercher Massa. Non, c'est pas possible. C'est pas possible ce virage, je comprends pas. Peu importe comment je le prends, il veut pas en fait. Ça passe jamais. Ça passe jamais. Voilà, je prends encore une place. Génial. Ouais, bon, voilà, on a fait trop d'erreurs sur ce Grand Prix. Voilà, j'ai même mon coéquipier qui est derrière. J'aurais peut-être dû mettre plus d'appui aussi, hein. Ça aurait peut-être dû m'aider un peu. Non, on manquera pas de points. On manquera pas de points parce qu'on est trop loin. Par contre, on est 12e. Il y a un abandon ou quelqu'un s'est arrêté au stand? Voilà, là, je tourne pas, je sais pas pourquoi. Je suis désolé, à aucun moment j'allais prendre ce virage. J'ai l'impression que j'ai jamais assez d'appui pour le négocier. Hülkenberg est 10e, c'est-à-dire qu'on peut peut-être gratter le point, mais il nous reste combien de secondes? 1 seconde 9? 2 secondes 7, on a de retard. Je pense que Hülkenberg s'est arrêté un peu comme nous, donc à mon avis il aurait eu des pneus tendres. Allez, on remonte un peu. 1 seconde 7 maintenant.
Allez, une seconde 4. Allez, une seconde 3, je parle DRS maintenant. On va couper le l'enrichissement après l'épingle. Et ben voilà, j'ai raté mon freinage, c'est magnifique. Et Bottas, du coup, nous a dépassé. Ouais, bon, on est plus à une heure près de toute façon maintenant. On va finir 12e. En fait, je peux vraiment prendre intérieur. Hein. Si j'avais su, j'aurais vraiment pris tout le temps ça. Je voulais pas trop. Je voulais pas me faire bloquer, enfin me faire pénaliser en prenant trop vers le vibreur, et en fait le jeu gère ça, donc enfin il s'en fiche complet. J'ai 5 secondes de retard sur Bottas. Bon, la course a oublié hein, du coup. Hockenheim, on aura fait trop d'erreurs. On était pas trop mal placé en vrai, hein, mais je pense que sans erreur, on pouvait finir peut-être 7e. Mais j'en ai trop fait. Bon, à minima, je termine devant mon coéquipier, hein, mais. Non, je sais pas, des fois j'ai un peu d'image, j'ai l'impression que les voitures ils sont en rail, et c'est un peu comme Grand Prix 4, c'est-à-dire que si on est légèrement un petit peu à côté du rail, bah en fait c'est fini, on tourne plus. Bon, bah écoutez, tant pis, hein, pas pour ce Grand Prix. On a perdu 6 places, littéralement. 3 grosses erreurs. Ouais, good drive. Je rappelle que je partais quand même 6e et qu'on était remonté à la 4e place après le premier tour. Et ça, c'est pas bon, puisque d'ailleurs, les McLaren ont marqué des points. Les Williams. Par contre, les Williams, non. Ah ouais, Massa 17e. Pas fou, hein. Ok. Du coup, au classement, bon ben voilà, on s'est redépassé par Raikkonen. On tombe à la 7e place. On va voir au niveau du classement. Alors par contre, au niveau des pilotes, on est... Il y a 4 points d'écart entre Hamilton et Rosberg. On va du coup voir le championnat constructeur. Et là, pareil, je pense qu'on s'est fait un peu avoir. Il n'y a plus que 4 points d'écart entre Sauber et McLaren pour la 4e position. Et William, c'est 6e. Ça va être très dur, hein, tenir cette 4e place. Mais bon, on va quand même tenter jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. C'était un peu difficile cette fois-ci. Je vous dis à la prochaine pour la suite. Ciao tout le monde.